Oui, le docteur Ida nous permet de repenser à Hiroshima, la bombe et les suivis. Il faut savoir que ce médecin a reconnu d'emblée les pathologies liées à l'irradiation qui n'étaient pas celles du flash au moment de la bombe, mais qui se sont produites plus tard. Donc c'est une grande découverte qui a été masquée au monde entier et qui pourtant révèle que l'irradiation massive de la bombe n'est pas aussi toxique pour l'organisme que l'irradiation interne qui se produit après lorsqu'il y a eu des pluies noires qui sont retombées sur une région beaucoup plus lointaine que les cercles concentriques qu'on avait réservés pour les victimes. Oui. Je pense que Tchernobyl est pour tout le monde un problème difficile parce que Tchernobyl s'est produit au moment où l'Union soviétique partait en morceaux. Donc quand vous jugez Tchernobyl, vous avez trois pays concernés. Celui qui est le plus touché au point de vue retombée radioactive, c'est le Bélarus. Mais il y a aussi beaucoup de zones contaminées en Russie et des zones contaminées en Ukraine. Et l'Ukraine, qui est en fait des trois pays le moins touché, peut-être un sixième de la radioactivité, peut-être moins, alors que la centrale était en Ukraine. L'Ukraine est le seul pays qui fournisse périodiquement un bilan de la santé des victimes. Et c'est pas les 9 millions de victimes dont parlait Kofi Annan, c'est seulement peut-être les 2 millions qui sont au côté sud, c'est-à-dire qui sont vers l'Ukraine. Et si vous regardez les chiffres sont très impressionnants. Les gens qui sont aujourd'hui encore dans les zones contaminées sont malades à 85%. C'est quand même énorme. Les gens qui ont été évacués trop tard, parce que l'évacuation se fait toujours trop tard, et qui sont suivis individuellement encore aujourd'hui, sont malades à 80%. Donc, ça fait quand même beaucoup de victimes. Les liquidateurs de ce pays, donc, ce n'est pas le pays qui a eu le plus de liquidateurs, mais les liquidateurs qui sont restés en Ukraine sont malades à 94%. C'est un dégât absolument énorme sur une population. Évidemment que l'Ukraine est un très grand pays, il y a toute une partie qui n'a pas été touchée, mais toute cette partie nord l'a été, et là on a des données chiffrées. Eh bien, dans les deux autres pays, ces données chiffrées manquent. Elles sont équivalentes, sauf qu'elles sont plus élevées. Et là où nous travaillons, Bélarus, effectivement, dans les zones contaminées, la pathologie est présente chez 80% des enfants. Que j'ai rencontré au Japon de l'anxiété et des questions concrètes chez les Japonaises. C'est-à-dire chez celles qui se sentent responsables de la jeunesse et des enfants, de la jeunesse passée, de la jeunesse future, mais de la jeunesse et des enfants. Et je pense qu'elles ont raison, parce que le problème est chez elles, le problème est chez l'enfant. Donc c'est là qu'il faut observer, et c'est là qu'il faut prévenir. Si on peut prévenir, c'est là qu'il faut prévenir. Et chez les hommes, j'ai l'impression que Fukushima ne blesse pas aussi profondément. Parce que ce n'est pas lui qui est vraiment responsable de l'enfant à naître et né. Mais évidemment, donc. D'abord, il faut que le phénomène physique cesse. Il faut bien dire que Tchernobyl, au bout d'un certain temps, était éteint. Il y a eu une grande pollution avec l'incendie, etc. Mais Fukushima n'est pas
terminé. Le cœur continue à descendre et à s'enfoncer. Et les physiciens qui nous disent actuellement, c'est tellement grave qu'on peut se demander si on est encore à l'abri de la criticité, c'est-à-dire à l'abri de l'évolution vers la bombe. C'est vraiment épouvantable, ce qui fait que ce qu'on sait, ce qu'on a vu, ne serait qu'une petite chose. Et si la bombe explosait, ce serait Tokyo qu'il faudrait évacuer, et pas les quartiers voisins. Donc, c'est très grave. Et si vous voyez ce qu'écrivent des physiciens du CERN, qui ont publié très récemment des livres, et d'autres physiciens du CERN français en fait l'analyse critique, vous verrez que cette inquiétude face à l'explosion d'une centrale est grande. Et leur conclusion, c'est que les centrales atomiques telles qu'elles ont été conçues jusqu'à présent, EPR comprises, sont des instruments extrêmement dangereux, sans aucune sécurité. Et que si on passait à la quatrième ou à la cinquième version des centrales nucléaires, certains pensent qu'on pourrait améliorer les chances de sécurité. D'autres pensent qu'il faudrait plutôt chercher d'autres technologies qui sont, dès le départ, moins associées à un risque de catastrophe. Évidemment qu'il y a des pays qui sont plus menacés que d'autres, c'est-à-dire où les centrales sont plus près des grandes villes et où l'évacuation poserait des problèmes plus graves encore qu'à Fukushima. D'abord, des séismes, il y en a, je dirais, presque sans cesse dans cette région. Mais la plus grande piscine de matériaux radioactifs et également de MOX ou de plutonium se trouve actuellement sans doute à Sellafield ou à La Hague. Ça, c'est des piscines d'une dimension colossale et d'une fragilité colossale. Et je ne sais pas comment on peut les protéger. Je pense qu'il est très essentiel de les faire disparaître. Et je ne vois pas comment. Donc, ce que vous dites à propos du réacteur 4 est très grave, parce que pour le moment, on ne sait pas encore comment freiner cette évolution vers la fusion et l'intrusion dans le sol jusqu'à la nappe phréatique. Mais enfin, les physiciens nous expliquent que si ça n'explose pas, ça représente une pollution radioactive de la nappe qui sera sensible pendant 3 siècles, ce qui interdira l'agriculture et ce qui interdira la pêche sur un grand périmètre au large sur le Pacifique. Donc la situation à Fukushima que nous voyons, elle est encore intermédiaire. Mais enfin, celle à laquelle nous assistons rappelle quand même Tchernobyl. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont été irradiés, en particulier des enfants, et chez lesquels on peine à trouver une pathologie, ou tout au moins, on ne la cherche pas au bon endroit. Je pense que la population aurait le droit de demander des statistiques à ses médecins, à sa faculté de médecine. Pour le moment, on ne répond pas. Je vous pose la question, combien y a-t-il eu de cas de trisomie cette année? Je suis persuadé, après avoir vécu Tchernobyl, que les cas de trisomie ont augmenté. Et donc c'est le Down syndrome. Je pense qu'on a besoin d'avoir ces réponses. Je pense qu'il y a d'autres malformations, qui sont des malformations du système nerveux central, des malformations des membres, etc., qui ont également augmenté. J'attends aussi que les autorités donnent des chiffres. S'ils les cachent, ils finiront bien par apparaître. Je vous ai parlé de la mortalité périnatale. Elle peut durer quelques années. Elle peut se prolonger pendant
plusieurs années, c'est lourd. Une grossesse qui finit avec un enfant qui est né et qui ne survit pas aux 28 jours, c'est toujours un deuil très important. Et ce n'est pas un accident mineur, c'est un accident majeur. Mais c'est là qu'il faut chercher la pathologie maintenant. Dans les groupes plus âgés, ben on va peut-être voir des petits troubles thyroïdiens un peu partout, dans la population, mais aussi chez les jeunes. On n'est pas encore au cancer de la thyroïde. Le cancer de la thyroïde apparaîtra dans 4-5 ans. Et si on en parle maintenant, c'est qu'on passe à côté des problèmes. La pathologie de la thyroïde, elle commence maintenant. Mais le cancer a aussi besoin d'un certain temps. Je suis suffoqué qu'on n'ait pas distribué le iode stable quand les différents réacteurs ont explosé. Le Japon a une chance énorme que pendant 3 jours, le vent a soufflé d'est en ouest, pardon, et a évacué les gaz et les poussières radioactives vers l'océan. Ça nous donnait 3 jours pour distribuer à quelques millions d'enfants dans un périmètre de quelques 100 ou 200 kilomètres, c'est égal, autour de Fukushima, une première dose d'iode stable. C'est comme du sel de cuisine, mais simplement, c'est pas un chlorure de sodium, ce serait un chlorure d'iode. Non, c'est pas un chlorure, c'est un iodure de sodium, pardon, ou de potassium, c'est égal. Mais enfin, c'est un sel tout simple dont on prend une tablette. On sait que les Polonais qui ont donné à 10 millions d'enfants n'ont pas eu de problème de tolérabilité, de tolérance. Donc, ça a été très bien toléré. Les Polonais l'ont donné aussi à 1 million d'adultes, surtout à des femmes, ce qui était juste, ils ont fait des choix corrects, et il ne s'est rien produit de grave. Quand les vents ont tourné dans le mauvais sens, on a commencé à dire « il y a de l'iode dans telle ville, il y a de l'iode dans telle ville ». C'est clair que les gens ont commencé à respirer de l'iode radioactif. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait que la thyroïde soit pleine d'iode stable. Elle se serait débarrassée de l'iode radioactif immédiatement. Ça n'a pas été fait. Et l'iode est rentré dans la thyroïde et a commencé à blesser la thyroïde. Ce n'était pas nécessaire, c'est dommage. Bien entendu, je pense que la population a le droit de savoir ce qui se passe avec ses propres enfants. C'est là la situation. Ensuite, elle a le droit de savoir comment on va suivre les gens qui travaillent sur le réacteur maintenant et qui reçoivent des doses difficiles à estimer de radioactivité pendant leur travail. Et on ne sait pas non plus combien ils inspirent de poussière et de gaz radioactifs. Donc là, vous avez une population qui est menacée. La pathologie dans cette population va apparaître dans un certain temps. Des gens véritablement brûlés par l'irradiation, il y en aura très peu en réalité. J'en ai rencontré, mais pas parmi les travailleurs, mais des gens dont la commune se trouve pas du bon côté par rapport au vent, et des gens qui ont fait un syndrome aigu d'irradiation. Donc ça existe aussi. Mais ce sont des quantités qu'on met sur les doigts d'une main ou qui ne vont pas dépasser quelques dizaines ou centaines. Et les risques qu'il y ait parmi eux des morts, eh bien, c'est possible, mais avec un certain délai, il faut se donner le temps. J'ai vu aussi que parmi eux, il y a une augmentation de l'infarctus du myocarde qui m'a été communiqué. Puis on m'a dit, vous voyez un rapport avec l'irradiation ? Alors j'ai dit, je ne vois pas de rapport, je vois un rapport avec Tchernobyl. La première cause de mort à Tchernobyl depuis 10 ans,
c'est l'infarctus du myocarde. Et chez les adultes jeunes, les adultes jeunes sont plus menacés que les adultes plus âgés. Ceux qui ont travaillé sur le réacteur, plus ils étaient jeunes, plus ils ont été malades. C'est toujours, les jeunes sont toujours plus vulnérables que les gens plus âgés. Oui, alors ce qu'il faut mettre à l'abri, c'est la grossesse. Ce qu'il faut écarter des zones radioactives, ce sont les femmes enceintes. Ça, c'est absolument clair. Et puis, ceux qu'il faut protéger, ce sont aussi les enfants. D'une façon générale, ils sont très vulnérables. Et quand vous avez une zone à évacuer, il faut surtout l'évacuer vite. Il ne faut pas remettre ça à plus tard. L'évacuation tardive, c'est faire partir des gens avec un dommage génétique déjà installé. Ce dommage génétique, on va le porter toute sa vie. Si vous voulez l'éviter, il faut, quand la situation se précise, il y a une fonte du cœur, dans un rayon de 30 km, il faudrait s'efforcer d'évacuer tous les enfants et toutes les femmes avec risque d'être enceintes à ce moment-là. Et si ensuite rien se produit, eh bien ils peuvent rentrer chez eux. Mais en général, quand des réacteurs successivement sautent, la normalité va prendre du temps. Encore une fois, le temps pour le faire est très avancé. Et mettre les enfants à l'abri, il est encore temps. Vous parlez de tâches, mais les tâches sont vraiment confluentes. Je suis promené à Fukushima avec un compteur. La tâche, tous les 30 mètres, les valeurs changent. Mais elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Bien entendu qu'il y a des endroits bien plus radioactifs, mais il est difficile de circuler à Fukushima dans un endroit qui l'est peu. La préfecture n'est pas dans un endroit peu radioactif, mais hautement radioactif. Les places de jeu pour enfants ont beaucoup de peine à être nettoyées. Et quand on retourne là-bas, on s'aperçoit que, bon, la radioactivité au sol a baissé un peu, mais effectivement, elle est encore plus élevée au sol qu'à 1,50 m du sol où se trouvent les bornes. Donc il y a des quantités d'endroits où l'enfant n'a en fait rien à faire. Bien entendu, quand dans un pays il y a une catastrophe comme celle de Fukushima, et si vous voulez venir en aide à la population, la première chose à faire, c'est d'apporter une nourriture propre à toute la population d'enfants. Alors vous me direz, c'est cher. Je vous dis, c'est ridiculement bon marché. Au Bélarus, qui est le pays d'Europe le plus pauvre, les gouvernements des 8 premières années après l'explosion ont fourni aux enfants dans les écoles de la nourriture propre gratuitement, donc pendant 8 années. Et les parents recevaient une petite subvention pour les fins de semaine où les enfants étaient chez eux. À cette époque, le gouvernement très très pauvre du Bélarus a offert 2 mois de vacances aux enfants qui vivaient dans des zones contaminées, donc qui avaient reçu pendant la scolarité de la nourriture propre, mais ils étaient invités à passer des vacances, quand ils étaient jeunes avec la maman, dans des sanatoriums très joliment placés, avec des parcs superbes, des pièces d'eau, des places de jeux, etc., et où ils pouvaient se remettre. Et ça leur était offert 2 fois par année si la radioactivité était élevée, 1 fois par année si elle était moins élevée. Donc,
il y avait une aide qui leur était apportée. Ça, c'est, je pense, le minimum qu'on aurait pu apporter dès le premier jour à cette population. Dès le premier jour, ça ne veut pas dire dès le cinquième jour. Ça veut dire dès le début. Parce que de la nourriture propre, il y en a. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est facile d'apporter du lait pour 100 000 enfants dans un grand pays riche? Le lait, c'est quand même la première source de contamination dans les zones contaminées. Donc c'est ce qu'il faut fournir parce que le lait est consommé par l'enfant. Si on avait prévu ça, on aurait rendu un très très grand service à la population. Si on ne l'a pas fait, eh bien, on a fait l'inverse. On a risqué de fournir à ces enfants des dommages d'origine radiologique, irréversibles en grande partie, ou génétiquement transmissibles à la génération suivante. Donc, des choses qu'on devrait prendre vraiment très au sérieux. Je suis surpris qu'un pays riche n'ait pas réagi de la sorte. Tchernobyl nous avait donné des leçons. Il a fallu que le gouvernement démocratique s'écroule au Bélarus pour que ces aides s'écroulent aussi. C'est-à-dire qu'on a changé de priorité avec le gouvernement actuel. Mais tant que c'était une relative démocratie avec un gouvernement sain, l'aide aux enfants au Bélarus a été plutôt exemplaire. Parler d'abord des radiations externes et internes. C'est évident qu'au départ, les radiations externes sont frappantes. Et pour les gens qui sont montés sur le réacteur, ces ouvriers, les radiations externes étaient dominantes. Mais ça, c'est une population limitée, dans une profession limitée, où les radiations externes dominent pendant le temps de leur travail. Très très vite, après l'accident de Tchernobyl ou de Fukushima, la contamination est interne. Elle peut être interne déjà par les gaz qu'on inspire, comme les gaz d'iode 131, qui contiennent aussi du césium 137 et 134. Donc on se contamine par voie respiratoire, mais ensuite on se contamine d'une façon durable par voie orale. Et alors on vous dit, mais c'est la même chose, externe ou interne. D'abord, pourquoi est-ce que ce serait la même chose? Ce n'est même pas les mêmes rayonnements. À l'extérieur, les rayonnements alpha et bêta restent en place. Ils ne quittent pas les lieux. Ils restent par terre. Bon, c'est possible que si on s'assied tout nu sur le sol, un bébé peut être irradié par des rayonnements bêta. Mais sans ça, normalement, ces rayons bêta ne gênent personne. Mais les retombées de strontium, de dérivés de l'uranium, entrent dans la chaîne alimentaire terriblement vite. Et vous les retrouvez à tous les repas. Et une fois ingéré, le radionucléide devient différent. Même le césium qui vous irradie à l'extérieur avec des rayons gamma, quand il est à l'intérieur, il a un double rayonnement, bêta et gamma, et sans doute une synergie dans la toxicité, ou dans la radiotoxicité, parce que ce n'est pas une toxicité. Donc il fait des dégâts proportionnels. Et d'autre part, dans l'organisme, ce n'est pas un gros sac qui reçoit du rayonnement de l'extérieur où tout traverse. L'organisme, c'est un endroit où les radionucléides vont être transportés et concentrés. Alors, tout le monde sait que la thyroïde concentre de l'iode, mais tout le monde ne sait pas où elle va par-dessus le marché, parce qu'elle va dans la glande mammaire, bien entendu, puisque le lait de la mère va, après la naissance, contaminer son bébé. Donc, c'est aussi un problème. Il n'y a pas que la thyroïde qui soit victime, mais il y a beaucoup de
de glandes qui peuvent accumuler même de l'iode. Il a fallu très longtemps pour apprendre à connaître ces pathologies liées à l'irradiation chronique interne. Et il faut quand même dire que là, il y a quelques personnes qui ont fait des percées, mais le docteur Ida à Hiroshima a vu cette différence entre l'irradiation externe et ensuite l'irradiation interne chronique. Et au Bélarus, les premiers qui ont travaillé là-dessus, ça a été l'école de Gomel avec le professeur Bandachevski, qui a démontré que, en fonction de la quantité de radionucléides dans un organe donné, examiné à l'autopsie, vous avez une idée des dommages causés au tissu irradié localement. Donc, s'il y a beaucoup de césium dans le myocarde, il y a aussi beaucoup de pathologies dans le myocarde et dans les endothéliums. Si chez le nouveau-né, c'est les glandes endocrines et le pancréas qui sont les organes de loin les plus chargés en radionucléides, les pathologies sont liées aux glandes endocrines, aux sécrétions endocrines, sexuelles, thyroïdiennes, surrénaliennes, etc., et qui vont engendrer des pathologies. Donc il y a là un cycle orienté par le choix que fait l'organisme en fixant. Le strontium est fixé dans l'os et sur différemment dans l'os spongieux, etc. Mais il se trouve que il est à proximité des cellules qui fabriquent le sang. Donc les troubles sanguins, les dématologies, sont dus à la présence du strontium dans l'os. Et plus tard, 20 ans plus tard, on trouve des cancers de l'os, des sarcomes de l'os, qui vont apparaître. Mais au départ, c'est des troubles des globules sanguins, donc entre autres des globules blancs qui font la défense de l'organisme et qui se traduisent ensuite par des maladies. Le système lymphatique, c'est-à-dire la rate et les ganglions lymphatiques, participent à la défense de l'organisme contre les infections, aussi contre le cancer. Et c'est clair que les pathologies infectieuses vont apparaître dans ces populations d'enfants. Et actuellement, vous avez, dans les enfants qui ont été irradiés et ceux qui ne le sont pas, une différence pour toutes les pathologies respiratoires, urinaires, toutes les infections urinaires ou respiratoires, beaucoup plus de cas chez l'enfant irradié que chez l'enfant qui ne l'a pas été. Son système de défense est altéré. Et ça, c'est des choses que les gens doivent étudier maintenant. C'est maintenant qu'on étudie le système de défense de l'organisme, pas dans 10 ans. Et ça s'exprimera au cours des années qui viennent, d'ici 3-4 ans, vous verrez cette pathologie. Ces enfants vont faire des bronchites. Ces bronchites seront bientôt des bronchites à rechute et bientôt des bronchites chroniques, comme chez le vieux fumeur. Mais ce n'est pas juste que ce soit chez les enfants que ça se produise. Chez le vieux fumeur, eh bien, c'est un peu tard pour intervenir. Chez les enfants, c'est maintenant qu'il faut cesser avec cette irradiation. C'est très important. Et pour toutes les infections, c'est la même chose. J'allais dans les hôpitaux autour de Tchernobyl, mais j'étais frappé. Les refroidissements donnent des sinusites, chez nous aussi. Mais la fréquence des sinusites est plus fréquente. Et ensuite, les complications des sinusites, qui sont des abcès du cerveau, qui sont très rares chez nous. J'en avais 3 à l'hôpital que je voyais. C'était déjà une épidémie, vous voyez, 3 cas. C'est quelque chose qu'on ne doit pas voir. C'est donc, il y a un système de défense qui n'est pas en place. Bien entendu qu'il y a des manières. D'abord, quand vous travaillez à la cuisine,
Vous pouvez, si vous avez des équipements, voir si ce que vous avez acheté est contaminé ou pas. Et ça, c'est une mesure. Si vous achetez un morceau de viande, on vous dit qu'elle est propre. Et si vous la contrôlez dans un laboratoire où on mesure la radioactivité, vous apercevez qu'on s'est moqué de vous. C'est possible, par contre, de faire tremper cette viande dans un liquide qu'on jette ensuite, de la faire bouillir une première fois et de jeter le liquide. Et finalement, de manger quelque chose qui est le reste de la viande qui a perdu 90% de sa radioactivité. Là, c'est uniquement la mère de famille, la cuisinière, qui défend son enfant. Ce serait quand même mieux de fournir une alimentation propre. Mais enfin, si ça ne se fait pas, les gens sont impressionnés par le grand nombre. C'est curieux que le Bélarus n'ait pas été autant impressionné par le grand nombre et soit venu en aide à ces cantines avec des aliments propres. Moi, je trouve que vraiment, l'aliment propre devrait être maintenant encore donné à tous, et pour les enfants, du lait propre, absolument pour tous, sans exception. Et sur un espace vaste, parce qu'on sait que maintenant les territoires touchés sont plus grands que ce qu'on imaginait, et on ne connaît pas encore exactement les limites à l'extérieur, elles ne sont pas encore tout à fait tassées, elles ne sont pas encore tout à fait arrêtées. Mais l'alimentation radiotoxique doit être remplacée par de l'alimentation strictement propre. Services chirurgicaux, où on a beaucoup de traumatologie, il y a beaucoup d'os qui va fragmenter, qu'on va trouver. Je pense qu'il faut aussi collecter l'os de ces accidents chirurgicaux pour qu'on puisse mesurer le strontium, ou principalement le strontium, sur ces prélèvements. Ça donne des dates, ça donne une géographie où les gens ont habité et où ils se sont contaminés. Et ça, il faut le faire pour voir si ça continue ces prochaines années ou si ça baisse, c'est-à-dire que le strontium disparaît de l'environnement. On n'a pas beaucoup de mesures du strontium dans l'environnement à Fukushima. C'est très très mince l'information. Il faudrait la suivre comme celle du césium. On s'intéresse à l'évacuation des radionucléides de l'organisme. Il faut bien savoir qui risque de rentrer et comment fait-on pour s'en débarrasser. En particulier ceux qu'on ne sait pas mesurer, c'est-à-dire les dérivés de l'uranium, thorium, peu importe, qu'on ne peut pas mesurer, et le strontium. Donc, comment peut-on s'en débarrasser? Alors, c'est intéressant que les métaux lourds toxiques existent aussi en dehors des métaux lourds radioactifs. Les métaux lourds toxiques, c'est le mercure et le plomb. Dans l'industrie de l'automobile ou des métaux, en France, une grande partie des ouvriers souffraient de saturnisme, donc d'intoxication à ces métaux lourds. Et il y a une firme, grande firme qui existe encore, qui s'appelle Sanofi, qui a produit une pectine et qui a donné à ses ouvriers des comprimés de pectine toute l'année. Et ça leur permettait de se débarrasser du plomb qu'ils accumulaient au travail ou du mercure selon le métier qu'ils faisaient. Donc il y a tout à fait la possibilité de les évacuer. Alors les radionucléides sont du même ordre. Ce sont aussi des métaux lourds qui peuvent aussi être évacués par la pectine. Alors les premiers qui s'en sont préoccupés, c'est l'armée soviétique. L'armée soviétique, pendant la guerre froide, attendait un échange de bombes. Et ces échanges de bombes auraient entraîné des retombées radioactives Vous parlez pendant la période de pendant la guerre de période froid. de 60, 70, 80, toutes ces années-là. L'armée soviétique, sous la direction d'Iline, avec des chercheurs comme Korzoun, ont développé toutes sortes, ont étudié tout ce qui peut se trouver comme substance qui évacue les radionucléides ingurgités et incorporés.
Et ils sont aperçus que les pectines étaient de loin les substances les plus efficaces. Et alors ils ont étudié toutes les pectines de tous les fruits, de tous les légumes, de toutes les algues. Et les pectines des algues, y compris des algues japonaises qu'ils ont très bien étudiées, sont très efficaces. On a eu, Nestereonko a eu quelques problèmes à faire ingurgiter des algues à des enfants de Biélorussie, alors qu'il n'a eu aucune peine de leur faire injecter de la pectine de pomme. Donc, choisir la pectine de pomme, c'était simplement s'adapter au goût de l'enfant, pas forcément de prendre la plus puissante. L'armée soviétique a choisi une pectine d'algues de la mer Noire, donc à portée de main pour eux. Et c'est une denrée bon marché. Et cette pectine est très efficace et elle l'élimine. Elle empêche d'absorber d'abord les radionucléines, mais une fois qu'ils sont absorbés, elle accélère leur élimination, aussi bien par voie digestive que par voie urinaire. Donc la pectine protège une armée entière. La pectine peut aussi protéger des enfants comme ceux de Fukushima ou de Bélarus. Ben, je pense qu'il y a peu de gens qui savent ce que les Russes ont fait pendant la guerre froide, mais ils ont fait une défense de la santé de leurs soldats par la distribution à toute la troupe de pectine dès l'ouverture d'un conflit. Et ça, c'est très efficace.